Clémentine a 20 mois et elle va découvrir sous vos yeux et pour la première fois un iPad. Hello papa. Hello Lola. Hello Lola. Étant une habituée d'iPhone, son étonnement n'est que très relatif. Hello. Elle déverrouille et allume l'engin sans problème. Hello. Son premier clic, c'est sur l'icône galerie d'images, la même que l'iPhone. Mais elle n'y trouve pas les photos et vidéos qui lui sont familières. Elle essaye d'autres icônes, s'amuse avec l'écran tactile, mais elle reste un peu perplexe. Elle reste notamment bloquée dans le menu réglage de l'iPad et là, sa conclusion est sans appel. Je décide donc de l'aider en lui montrant comment passer d'un menu à l'autre. Et là, c'est parti, Clémentine navigue à la recherche de ses applications favorites. Elle clique sur l'appli Look Baby qui regroupe 4 petits jeux, dont celui de nounours qu'elle surnomme Nono. C'est pas Nono, elle relance l'appli. Nono, Lola, Nono. Non, ça va là, Nono, Lola, pas. Toujours pas Nono, elle relance une nouvelle fois l'application. Clémentine trouve l'écran tactile peu réactif et elle se demande une nouvelle fois si l'iPad n'est pas cassé. Après avoir farté un peu son doigt, l'écran a l'air de mieux réagir. Clémentine est prise d'une folie destructrice. Ça va, mais... Non, non, pas... Non, c'est ça, mais... Après quelques minutes, je décide de redonner à Clémentine l'iPhone, qu'elle connaît très bien. Comme avec l'iPad, Clémentine va directement cliquer sur l'icône galerie d'images. Elle vérifie que ses photos et vidéos favorites soient là. Je fais quand même un petit panneau sur... Elle réitère l'expérience avec l'application boîte à meux et ses animaux favoris. Une fois rassurée, Clémentine reprend l'iPad et décide de faire de la musique du piano. Étonnamment, elle reprend l'iPhone et lance l'application Studio Mini, un enregistreur 4 pistes pour s'enregistrer. Ça n'a pas l'air d'enregistrer, Clémentine est déçue. Elle réitère l'expérience avec l'application Melodica sur l'iPad.
Elle lance à nouveau le studio et tente de s'enregistrer. Ça ne marche toujours pas. Malgré le côté universel de l'écran tactile, je vois, je touche, et les interfaces simples et ergonomiques d'un iPhone ou d'un iPad, Clémentine devra attendre quelques mois, voire quelques années, avant d'enregistrer son premier tube.